Vous pensez connaître tous les personnages de Loup? Mais lui, qui est-il? On le retrouve une première fois dans le tome 1, un poulet en plastique à la main. Et puis un peu plus loin, sans l'animal. Au-dessus de lui, deux lettres. Hervé. Hervé, serait-ce son nom? Et puis encore, cette fois en train d'acheter une volaille. Serait-il possible que... Encore lui, ici, ici, et dans les autres tomes, il est encore là. Serait-ce un jeu caché? Comme cette lettre G, omniprésente, qui revient dans les décors, dans les noms de certains personnages. Comme ce personnage mystérieux, Archimboldo Parmentier, dont l'histoire s'inscrit en filigrane derrière celle de Loup. Est-ce que cela a un rapport avec ces foutus cristaux? Avec le comportement mystérieux de certains personnages? Et si le tome 7 se passe avant le tome 6, alors le tome 8? Mystère.